Où en est Bordeaux? Ben on en est que c'est une période qui est très compliquée et très dure en ce moment. Qu'on y est en plein dedans et on ne sait pas aujourd'hui, on n'a aucune certitude de quand est-ce qu'on va s'en sortir. Ça, c'est la réalité des choses. Après, la seconde réalité, c'est qu'il y a des matchs toutes les semaines et qu'à chaque week-end, on peut se sortir de là. Donc, savoir faire la différence entre la situation où on est et la situation où on peut l'être demain. Donc, c'est pas compliqué. Est-ce que ça se sentait? Santé, non. Pas sur. T'y crois jamais parce que tu sors d'avant-trêve avec un bilan intéressant, une belle remontée, quelque chose de di une dynamique intéressante, positive. Et tu te retrouves, après le premier match de Coupe de France, ça rend l'étape, dire bon. Match de Coupe de France, terrain pas très bon. C'est pas là peut-être la réalité des choses, mais dès le match derby de la Garonne, même si c'est pas le plus gros show derby de la planète, ben, on a vu des grosses difficultés, manque d'efficacité, subit beaucoup. On dit c'est peut-être une erreur, on joue Paris, ben, c'est plus fort, donc on dit bon ben, c'est Paris. Et derrière Bastia, et derrière Île-de-Rousse, et là tu te rends compte que tu peux pas te cacher derrière toujours des excuses. Et aujourd'hui, il y a une réelle difficulté et un réel sommet à gravir pour moi parce que je pense que entre ce qu'on montre, la qualité réelle de l'effectif quand on n'est pas concentré et à 100% au niveau mental prêt à jouer un match à fond, plus les quelques blessés et suspendus, et tout, enfin, les absents, on va dire, ben, ça va être très compliqué. Donc aujourd'hui, on va dire sur quoi s'appuyer, sur la chance d'avoir déjà 31 points, d'être entre deux eaux pour l'instant, mais de savoir quand, sur les 3-4 prochains matchs, de savoir ce qu'on va jouer, c'est-à-dire rien ou quelque chose d'intéressant. Il n'y a plus que le championnat. Et il faut être très réaliste, je pense, aujourd'hui, sur la situation en elle-même. Ça a été très mauvais au début, peut-être qu'on a été très bon, mais aujourd'hui, c'est quoi? Identifier ce qui est on va dire, la vraie tendance de Bordeaux aujourd'hui. C'est est-ce que c'est la première partie de saison très brouillonne, très brouillon, ou sinon la partie de fin d'année qui était très intéressante. À savoir exactement ce qu'on est capable de faire, je sais pas. Aujourd'hui, franchement, j'en sais rien. Est-ce que cela prouve que sans les attaquants qui sont actuellement blessés, Bordeaux ne peut pas viser plus haut, tout simplement, et que derrière, ça ne suit pas pour prendre la relève? Pas que les. On parle que des attaquants parce qu'aujourd'hui, ce sont les absents, mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de. Je sais pas comment, je sais même pas quoi dire à ça, franchement. Vous marquez pas de but, quoi, ça. Ouais, voilà, il n'y a pas d'efficacité, c'est ça. Il n'y a pas d'efficacité on va dire dans le collectif, que ce soit derrière ou devant. Après, je pense qu'en étant solidaire, en faisant quelque chose en étant uni, solidaire, collectif, tout ça, je pense que tu es capable. À un moment donné, de déverrouiller des matchs. Je pense qu'il a manqué sur les derniers matchs où on marque pas. C'est encore plus flagrant dans un match de Coupe de France contre une 5e division. C'est qu'à un moment donné, l'unité va faire que pendant 10 minutes, tout le monde va être à un niveau de jeu élevé. Et ben, tu marqueras. Et là, non. Donc, c'est que il n'y a pas cette unité. Il n'y a pas cet état d'esprit collectif qui permet d'arracher des matchs comme on a pu le faire avant la trêve de Noël. Alors pourquoi vous l'avez eu pendant 2 mois et là vous l'avez plus? C'est le grand mystère bordelais depuis 3 ans. Tout simplement. Hein. Là, tu peux te chercher toutes les excuses. Il n'y a pas les attaquants, il n'y a pas les blessés, il n'y a pas les défenseurs. L'entraîneur, il n'est pas ci, le président, il n'est pas là, l'actionnaire, machin. Non, là, c'est à un moment donné, c'est les joueurs. Et si ça dure depuis si longtemps, ces changements de comportement, non, pas de comportement, parce que je pense que les mecs veulent toujours bien faire, mais ce manque de,
je sais même pas dire, même pas un manque de motivation, mais un manque de conscience de la chose, d'avoir une faculté à pouvoir s'enflammer et se dégonfler aussi vite, c'est compliqué. C'est pas le propre de, des joueurs, d'un joueur de football, d'avoir, ou d'un groupe, d'avoir cette unité. Si, oui. Mais après, comme je dis, tu fais partie aujourd'hui de toutes les équipes qui sont capables de... Tu fais partie d'un groupe d'équipes qui est capable de faire une bonne saison si tu es concentré, si tu es régulier. Aujourd'hui, je pense qu'on a un effectif, c'est un peu le football d'aujourd'hui, qu'une fois que tu gagnes 3-4 matchs d'affilée, ben, tu as tendance à t'enflammer. Quand tu en perds 2, ben, tu as tendance à t'enfoncer. C'est propre au football d'aujourd'hui et ces mentalités-là, c'est difficile à changer. Sur un, deux joueurs, tu peux. Mais sur plus, d'inculquer cette rigueur, à un moment donné, voilà, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a de la jeunesse mentale, plus que de la... C'est pas la vraie jeunesse, mais jeunesse mentale. On sent que les mecs... Ben, tu gagnes deux matchs, comme je dis, tu es capable de t'enflammer, tout va plus vite dans le foot. Donc voilà, c'est vraiment à l'image du football d'aujourd'hui. Quoi. Le discours des anciens, ils ne sont pas justement dans le combat d'un ben, ou... Oui, mais on l'écoute, mais sur périodiquement, sur un petit temps, et on oublie vite. Parce que c'est le foot d'aujourd'hui qui veut ça, je pense que... On va t'écouter dans l'urgence, se dire « Ah ouais, attends, il a raison, on va se bouger. » Au bout de 3-4 matchs que tu l'as fait, ben, oh, ce qu'il a dit, bon, c'est bon quoi. Maintenant on gagne, on est bon. Bon et hop, tu repères. Tu dis c'est le propre du football, est-ce que c'est le propre tout simplement du football français? Il y a des mots là qui ont été lâchés, les footballeurs français sont plus feignants que les autres. Je pense que au très haut niveau, au niveau international, à ce niveau-là, n'importe quel joueur, on le voit avec l'arrivée de Guillaume, qui a un discours différent. Je pense que, et c'est propre aussi à Bordeaux, parce qu'on a des jeunes joueurs qui débutent, c'est facile, enfin, compliqué de dire ça, mais c'est beaucoup plus facile qu'avant, aujourd'hui, de pouvoir jouer au football professionnel. Je veux dire d'être dans des bonnes conditions de jeu, dans une équipe, dans un confort de vie au quotidien, etc. Pour ne pas dire financier, etc. Ça va beaucoup plus vite qu'avant. Nous, avant, jeunes, c'était plus dur. Il fallait un quota de matchs pour être pro. Et aujourd'hui, ils ont cette facilité-là. Au bout de 10 matchs en Ligue 1, il suffit que tu passes une période où tu mets 7 buts, 3 passes décisives, tu es présélectionné en équipe de France. Ou même vous, les journalistes, vous les poussez déjà à être sélectionnables. Tout va plus vite, dans un sens comme dans l'autre. Et aujourd'hui, on le voit bien. Je veux dire, Bordeaux, c'est l'image de ça. Tout va très vite, on est capable de faire super remonter, tout le monde a un super niveau. Et d'un autre côté, ben, tout est capable de s'effondrer très vite. Et voilà. Après, je ne vais pas faire une course sur les carrières des joueurs, mais c'est pareil, quoi. Tout va plus vite. Ouais. On savait que votre calendrier était difficile, vous avez encore Saint-Etienne et PSG, vous êtes dans une période de doute, ce n'est pas des adversaires pour vous en sortir facilement. Ben non, mais bon, après, c'est sûr que non. Mais comme je dis, tout peut aller très vite. C'est sûr que si tu ne fais pas le match qu'il faut contre Saint-Etienne, que tu n'es pas concentré tout le long, que tu mets pas tout pour avoir la réussite de ton côté, tu perdras. C'est sûr. Je veux dire, le foot, c'est comme ça, c'est logique. En plus, ils sont sur une bonne dynamique. Après, Paris, c'est encore autre chose. Je veux dire, c'est encore autre chose. Il faut qu'eux, même si tu joues à ton meilleur niveau en étant le plus concentré possible, il suffit qu'eux aussi soient au même niveau mental que toi, ils seront meilleurs que toi. Ça, on le sait, c'est comme ça. Mais après, au foot, tout est possible. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut se contenter de faire nul? Ça serait déjà bien. Non, tu te contentes jamais. Je veux dire, surtout pas à Bordeaux. Tu peux pas te contenter en ayant la position qu'on a. Je veux dire, il faut continuer à prendre des risques, avancer, mais des risques calculés. Je veux dire... Est-ce qu'ils sont pas trop calculés, ces risques, justement, certaines fois, sur des actions? J'ai l'impression que vous y allez avec le frein à main. Le frein à main, c'est... compliqué d'avoir le frein à main dans notre métier quand même, hein. Je veux dire, c'est sinon tu fais pas ça, quoi. Enfin, si c'est vraiment ça, c'est que vraiment il y a un souci. Je pense que tout est fait
Moi, je pense que c'est plus une question de confiance et, comme je dis, de prise de risque. Enfin, après, je ne peux pas employer certains mots. Je peux pas. Voilà, mais voilà, il faut un peu. Comment ça? C'est que du foot, quoi. C'est du sport. Si tu ne te lâches pas dans du sport, tu ne te lâches jamais, quoi. C'est ce que Julien disait l'autre jour, il faut qu'on se lâche. C'est la base, tu n'as même pas besoin de le dire, quoi. Enfin, je veux dire. Si tu te mets pas sur un terrain pendant 90 minutes pour sortir vidé mentalement, physiquement, que derrière tu es capable d'aller faire un foot à 5 en salle, c'est que tu as un souci. Hein. Enfin voilà, moi je le vois comme ça. C'est, n'empêche qu'il faut aujourd'hui envoyer cette spirale. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Moi je pense qu'il faut le plus vite possible, moi je suis d'accord avec toi, d'enrayer la spirale. Enrayer comment aujourd'hui? En étant solidaire, comme tu dis peut-être. Essayer de commencer déjà par pas perdre, ça sera bien, parce qu'on a un calendrier difficile. Et il vaut mieux avoir l'idée de pas perdre contre Saint-Étienne, parce que le match après, ça va être compliqué. Donc, essayer déjà de faire quelque chose de sympa, pas prendre de but, essayer d'être solidaire et de s'accrocher. Prendre des matchs, je sais pas, je vais faire une copie à chacun du match de Lille pour voir ce qu'ils ont fait, pour leur montrer ce que c'est s'accrocher sur un match. On sait le faire, donc on va le faire. Est-ce que tu l'as fait justement à Ajaccio ni à Bastia? C'est quoi? C'est l'environnement? Vous êtes arrivé, vous arrivez maintenant, vous êtes allé. C'est ce l'environnement. Ça va, depuis que j'ai 8 ans, je joue contre les Corses, on le sait. Je veux dire, tu te fais bouger, tu te fais insulter, tu te fais cracher dessus. Et alors? Il n'y a jamais eu de mort. Hein. Je veux dire, c'est pas. Ils vont pas te bouffer, quoi. C'est un contexte de jeu comme un contexte de jeu. Quand, je veux dire, on a quand même des joueurs qui jouent à Coupe d'Europe. Je veux dire, quand tu vas jouer en Ukraine, quand tu vas jouer dans des pays de l'Est, alors peut-être parce qu'ils ne comprennent pas la langue, que tu te dis, ouais, c'est ce qu'ils disent, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est pas plus sympa que quand tu vas en Corse. Hein. Mais c'est le foot, il faut s'y adapter. Je veux dire, de partout, tu vas jouer à l'extérieur, c'est jamais simple. C'est sûr que tout le monde préférerait rentrer dans un stade à l'extérieur où tout le monde t'applaudit, bravo, c'est vous les meilleurs, c'est Girondins, on est content de vous voir. C'est sûr, ok, mais c'est le foot, s'il y a plus ce truc de chaleur, de voilà, cet engouement, des fois un peu excédé, mais ça c'est les régions de France qui font que c'est plus ou moins exagéré, mais ça fait partie du foot. Oui, mais manifestement... Le Bordeaux contre l'île Rousse n'était pas celui qui est à Kiev. Non, non. Mais pourquoi? Parce que ça devrait, mais... c'est le grand problème de, je pense, de 15 équipes aujourd'hui dans le championnat de Ligue 1. C'est ces périodes d'inconstance, de manque de régularité, de pas jouer avec ses qualités, de, je veux dire, c'est perdre un match, tu peux, mais perdre, enfin, après, comme j'ai dit, moi j'ai félicité le Rousse parce que voilà, les mecs s'arrachent, mais c'est pas normal. Au bout de 2 heures, je veux dire, si tu fais 2-2, 3-3, c'était un match enflammé, eh ben c'était le feu, ils te mettent 3 buts parce que c'est des cafouillages, ils ont bien joué le coup, et c'est le football qui est comme ça. Mais 0-0, 120 minutes, c'est pas possible. Tu peux dire le terrain, l'ambiance, les crachats, le truc. Et alors, tu peux pas ne pas marquer un but contre une équipe, même si tu jouais sans attaquant. Même si on avait mis Lamine Sané devant Henrique, et voilà, mais c'est pas normal. Parce que c'est quand même. J'enlève rien à la valeur d'une équipe, mais je peux pas non plus enlever de la valeur à notre équipe. C'est pas normal. Tu as même parlé de désarroi. Bah, moi je vous dis franchement, aujourd'hui je suis plus que motivé, j'ai fait un entraînement ce matin, je me suis régalé, je me suis bien motivé, enfin j'ai envie, mais je vous garantis que même je le cacherai pas, moi à la fin du temps réglementaire, j'avais même plus envie de jouer un match comme ça, j'étais dégoûté, parce qu'il n'y avait rien, je veux dire j'ai 32 ans, j'ai été international pendant près de 5 ans, je fais ce métier et ça me plaît, mais j'ai envie de me régaler. Alors des fois, c'est pas toujours agréable. Mais un match de Coupe de France, c'est de l'engagement, c'est de l'engouement. Alors l'engouement y était peut-être,
Mais j'ai pas pris de plaisir. Il y a des matchs comme ça où tu prends pas de plaisir, c'est pas normal. De voir les copains qui prennent pas de plaisir, que... Je veux dire... Est-ce que c'est justement pas ça le problème, que vous preniez pas assez de plaisir sur le terrain, que c'est devenu un job? Pour certains, je dis pas pour tout le monde. C'est un travail, voilà, c'est tout. Non mais c'est un travail de toute façon. Oui. Mais c'est un travail, c'est un travail à part entière, mais ça reste un jeu d'abord. Est-ce que la notion plaisir doit pas prendre le dessus, quoi? Ouais, mais alors si tu prends pas de plaisir en faisant ce métier-là, que je veux dire, arrête le foot. Et va faire un autre métier où tu verras que des fois, tu prends pas trop de plaisir non plus, des fois. Je veux dire, il faut être réaliste sur les choses. Je veux dire, si tu prends pas de plaisir sur un terrain de football, t'as quoi? T'as peur? Parce qu'il y a eu deux pétards à Ajaccio. Mais viens voir l'entraîneur et dis, je viens pas, je joue pas, je peux pas, j'ai peur. Prends tes responsabilités de dire, je prends pas de plaisir. Prends tes responsabilités de dire, aujourd'hui j'ai pas envie parce que le joueur en face il me fait peur. Pourquoi ça se fera jamais? Parce que tous les footballeurs aujourd'hui, ils ont leur fierté. Ouais, mais si tu as de la fierté, montre-le sur le terrain. Et aujourd'hui c'est ce qu'on attend de Bordeaux, de montrer sur le terrain que, et encore plus nous, parce que c'est inadmissible de... d'avoir montré des choses, des valeurs, tu montres des valeurs et d'un coup tu n'as plus ces valeurs. Comment tu vas expliquer demain s'il y a 15, 20 000 spectateurs, comment tu vas expliquer que tu as des valeurs un jour et que tu... Et comment? Parce que les valeurs de combativité, d'esprit de groupe, c'est quelque chose qui se construit, mais ça ne se perd pas comme ça. Et on répète toujours les mêmes choses, mais au bout d'un moment c'est fatigant. Et les gens ils sont fatigués de ça. Moi, je veux dire, comment tu veux expliquer que... C'est comme si du jour au lendemain, ben, j'ai décidé de plus plonger. Voilà, j'ai plus envie de plonger. C'est un peu ça. Non, mais voilà, j'ai plus envie parce que j'ai pas envie de me mouiller. Non, mais comment tu... Voilà, et comment on fait? Tu joues avec un gardien, ben, il plonge pas. Non, mais c'est ça... Non, mais c'est sérieux. Non, mais c'est ça. C'est la même chose. C'est une bonne comparaison. Et comment... voilà, moi, je peux pas comprendre. Je veux dire, et aujourd'hui, ça me... C'est de faire comprendre, je veux dire, si tu... De faire comprendre à tout le monde que sans cet état d'esprit, tu n'y arriveras pas. Et on l'a eu, on est passé limite, comme je dis, borderline, contre Marseille et Valenciennes. C'était... On est passé comme ça. Et quand on est rentré vacances, ça n'a pas manqué. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, on en est là. Et c'est, comme je dis, c'est un éternel recommencement. Je pourrais prendre... on enregistrera la conférence de presse et je la repasserai peut-être dans 6 mois. Parce que c'est ce que j'ai l'impression d'avoir répété il y a 6 mois. Et alors, comment tu le fais comprendre aux autres? Parce que manifestement, toi, t'es dans cet état d'esprit, mais t'as bien envie passer le message. Non, mais un état d'esprit, je veux dire... j'ai 32 ans, je serais pas là où je suis et fait ce que j'ai fait si j'avais pas l'état d'esprit. C'est de leur faire comprendre que tout va vite. Ça on l'a pas compris. Qu'on croit que, mais tout va vite. Tout va vite. Et si tu veux réussir dans ce métier et au bout de 15 ans dire j'ai fait une carrière réussie, je me suis éclaté, j'ai... Après le côté métier de dire voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, maintenant je peux profiter de ma vie, faire autre chose pour le plaisir. Mais ça passe par des matchs comme ça. Mais ça, c'est de la discussion au quotidien, essayer de faire comprendre, j'espère qu'ils vont comprendre. Après, il y a des moments où il ne faut pas trop parler non plus. Quoi. Et puis la maturité, parce que ça sert à rien que ça rentre par une oreille, que ça sorte par l'autre. Ah oui, non, mais là, ça c'est sûr. Je veux dire, c'est une... Si tu veux apprendre, il faut avoir envie d'écouter, déjà. Il faut écouter. Si tu écoutes, c'est bien. Après, il faut, quand moi j'essaye de transmettre quelque chose, essayer de ne pas trop parler non plus. Parce que trop en mettre, c'est pas bon. Donc voilà, après j'essaye de faire comprendre ça. Je reprocherai jamais à quelqu'un, voilà, comme j'expliquais l'autre fois à Ludo contre Toulouse. Je te reprocherai jamais de faire une erreur. Mais c'est la réflexion qui est pas bonne. Pourtant Ludo c'est quelqu'un d'expérience, on discutait tous les deux. C'est la réflexion, on a dit, on avait mis quelque chose en place, il devait pas descendre, bon, il est descendu, une fois, deux fois, trois fois, troisième fois, il perd le ballon, prend un but. C'est pas de l'erreur, c'est ce qu'on met en place. Quand on met quelque chose en place, il faut le respecter. Et aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup de principes de jeu, des principes de jeu du football de base qu'on respecte pas.
Voilà. Tu parlais des 31 points tout à l'heure, c'est-à-dire que tu regardes vers le bas? Non, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, pour la sérénité, je ne regarderai jamais vers le bas. Je suis quelqu'un qui regarde toujours vers le haut. Mais pour, on se dit aujourd'hui, mais imagine contre Valenciennes, je prends le pénalty. On perd 2-1. Qu'à Marseille, on ne marque pas les deux buts ou ils mettent le troisième but. On perd 3-2. On a 26 points. 26 points aujourd'hui dans la situation où on est à jouer en Saint-Étienne-Paris. Tu vas les fesses serrées. Et je dis pas que tu as la chance de pouvoir y aller sereinement, même si on n'est pas rassuré, mais d'y aller sereinement, du moins pour préparer du mieux possible le match. Mais si tu avais 5-6 points de moins, tu irais en plus avec un peu plus de pression. Donc il faut, ce confort qu'on a, c'est bien, mais dans 3-4 matchs, on l'aura plus. Après, je regarde toujours devant, n'est-ce pas, parce que je suis comme ça et que je vois pas autrement, mais. Mais il faut, quand je dis les 31 points, c'est la chance d'avoir aujourd'hui ces points-là, quoi, tout simplement. Il y a ton discours, il y a aussi celui des dirigeants, notamment Alain Dazeler dans la semaine, qui est peut-être proche du tien, en plus musclé. Comment il est passé ce discours, Bastien? Moi, je l'ai vu. Après, demander à chaque joueur s'ils l'ont vu, c'est peut-être pas sûr. Moi, je l'ai vu. Voilà. Moi, j'ai vu. Après, j'en ai pas parlé avec personne, je peux même pas vous dire parce qu'on n'a pas eu de discussion par rapport à ça. Mais moi je l'ai vu, mais est-ce que tout le monde l'a vu? Mais il devrait y avoir quand même une discussion quand un dirigeant dit qu'ils n'ont pas respecté leur contrat, que la finalité pour certains joueurs c'est d'avoir alors peut-être contrat, c'est quand même dur. Oui, mais alors peut-être qu'ils l'ont vu ou peut-être qu'ils en ont parlé, mais moi en tout cas j'étais pas là. Alors peut-être j'étais en train de m'étirer ou de travailler ailleurs, mais j'ai pas, enfin il y a eu que 3 jours d'écart, on a eu un jour de repos en plus entre temps, donc c'est... Je sais pas. Je te dis honnêtement, je sais pas. Cédric, est-ce que tu peux nous dire un mot du... Eric Bedo... Non, c'est ça. Eric va rejoindre le staff de l'équipe de France, donc c'est évidemment bien pour lui et pour le club, mais nous, on connaît une partie du Eric Bedo, on va dire le personnage public, si oui. Il y en a une part. Toi, tu le fréquentes, même si tu n'es pas forcément toujours avec lui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce qu'il ressemble à ce qu'il est à l'extérieur? Quelqu'un de... passionné? Oui, c'est quelqu'un qui a, ben, c'est quelqu'un qui a fond dans son métier. Après, pour lui, je pense que c'est une certaine apothéose dans sa carrière, parce que voilà, Eric a l'âge qu'il a et il va vivre une expérience. Il va se retrouver comme un gosse de 20 ans, parce qu'une Coupe du Monde, c'est exceptionnel, au pays du football en plus. Donc pour lui, voilà, c'est un peu le... Il va connaître le top, il va connaître autre chose d'ici. Et c'est quelqu'un qui le mérite, parce que on va dire que dans l'ensemble, depuis des années, quand même, il fait du bon travail. Et voilà, c'est quelqu'un de simple et qui est passionné. C'est vrai, un vrai passionné. Donc voilà, c'est bien pour lui. Souvent, le préparateur physique, c'est quelqu'un que les joueurs aiment détester. Mais il le déteste. Mais on le déteste, mais voilà, lui, il a une histoire particulière. Ça fait des années qu'il est là. Il a quand même entraîné 2 fois l'équipe. Préparateur physique. Après, il a ses diplômes. Voilà, c'est quelqu'un qu'on aime bien embêter.